C'est sûrement pour cette raison que j'ai gardé la canette de ta capsule. Ah ! La capsule de ta canette, je reprends. Depuis le début. Il est actuellement 4h25 du matin et je pense à toi. Cette nuit, j'ai envie d'être honnête et sincère avec toi. Tu me plais. Tu me plais depuis le début. J'ai tout de suite accroché avec la belle personne que tu es, mais aujourd'hui, j'ai du mal à savoir ce que toi, tu penses. Alors, j'ai mis en place une petite règle. Demain, quand nous nous verrons, si nos sentiments sont réciproques, montre-le-moi, surprends-moi, embrasse-moi. Ce message, l'auteur a attendu 2 mois avant de l'envoyer. J'envoie, j'envoie pas. Finalement, elle l'a envoyé. Elle a reçu aucune réponse, mais le lendemain, elle a reçu un baiser à la place. Et je trouve que ce message, il donne sacrément envie d'envoyer tous les messages qui sont stockés dans nos brouillons et qu'on n'ose jamais envoyer. Il est 2h30, je pense à toi. Je suis fatiguée de penser à toi. Tu occupes toutes mes pensées, ça me fait un peu peur. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. Tu sais pourquoi je ne dors pas? Tu me perturbes. Pendant longtemps, j'ai été tétanisée par l'amour, mais tu sais, avec toi maintenant, je respire, je reprends vie. Alors, je me trompe peut-être sur tes sentiments, sur les miens, mais pour une fois, je n'ai plus peur. Je ne veux plus avoir peur parce que tu en vaux la peine, parce que nous en valons la peine. Oh, et puis mince, je t'aime. Alors, ce message, je l'adore parce que c'est un premier « je t'aime » et comme toutes les premières fois, les premiers « je t'aime » sont inégalables, un peu comme la première gorgée de bière de Delerm. Et celui-ci particulièrement, je l'adore parce qu'il est lâché tellement naturellement et parce qu'elle en peut plus et qu'elle a juste envie de le dire et elle le dit et c'est bien, il faut dire les choses. Je rêve de t'embrasser, de te caresser, de sentir la douceur de ta peau sous mes doigts et mes mains. Mes mains qui se baladent le long de ton corps, qui s'attardent sur tes fesses et tes seins que j'aime tant. Mes lèvres glissent de ta bouche vers ton cou. Y déposent quelques baisers avant de descendre vers ta poitrine. J'embrasse ta poitrine, je fais glisser ma langue sur tes tétons tout en tenant tes seins entre mes mains. Tu es assise sur moi. Tu sens que j'ai envie de toi. Je t'allonge sur le dos, mes lèvres et ma langue descendent le long de ton ventre et viennent embrasser tes hanches. J'empoigne tes fesses en même temps. Jamais fesses ne furent aussi bien faites. Mes lèvres croisent la route de tes lèvres, mais y déposent à peine un baiser avant d'aller vers l'intérieur de tes cuisses. Une, puis l'autre, te laissant te languir légèrement de ce qui t'attend. Je pense que c'est un des sextos les plus calientés que j'ai dû recevoir depuis le début d'Amour solitaire. C'est descriptif, mais ça reste aussi métaphorique. Et on reste sur notre fin, à la fin. Et je pense que c'est pas mal pour cultiver le fantasme de ne pas tout révéler en quelques lignes. Tu peux faire le tour du monde, voir qui tu veux, faire ce que tu veux. Je ferai toujours en sorte que dans mes bras, tu te sentes chez toi. Ce message, il m'a beaucoup touchée parce que je pense qu'il aborde un thème central aujourd'hui dans le couple, à savoir l'amour libre. Et c'est un des thèmes prépondérants dans le livre Amour solitaire. La question de l'appartenance à l'autre, du polyamour, de l'exclusivité. Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre en accord avec des idéaux quand parfois dans la société, c'est compliqué de les mettre en place? Est-ce que même c'est possible? Et quand je lis ce message, j'ai l'impression que ça l'est pour certains, donc je trouve ça beau. On fait pierre, feuille, ciseaux, et si je gagne, tu ne m'oublies jamais. Ce message, il arrive dans le livre Amour solitaire à un moment où des décisions ont été prises, qu'il y a la peur de l'oubli qui survient et que les deux amoureux s'en remettent au hasard pour répondre à toutes leurs questions. Et je trouve ça chouette de réinstaurer du jeu au moment où c'est difficile et où il y a beaucoup de tristesse. Non, mais en vrai, c'est pas si compliqué. Rien de plus classique. On s'est plu, on s'est frôlé, on s'est loupé, et on l'a jamais totalement oublié. Et comme je ne veux pas parler en ton nom, je vais repasser à la première personne. Parfois, je pense à toi. Pas que quand ça va mal, pas que quand j'ai des doutes sur ma relation. Parfois, c'est quand j'écoute une chanson ou quand je repense avec plaisir à ces années à Paris. Parfois, on s'écrit, et j'ai l'impression que ma vie dépend de cette conversation, comme si elle pouvait tout changer. Alors, je glisse des sous-entendus dans le récit de mon quotidien, prétexte opportun. Comme quand on laisse la porte ouverte derrière soi. Comme pour savoir si toi aussi, parfois, tu as ces moments-là. Je ne sais pas dans quel but, mais j'imagine à quoi la vie ressemblerait si, car ça ne tient qu'à un fil. Et si parfois tu crois que je te déteste, moi je crois que tu n'as jamais cru à la place que tu as eue dans ma vie, ni à tout ce que j'ai pu te dire de ce que j'ai ressenti. On s'est beaucoup désiré, mais on s'est peu compris. Alors on est là, comme des cons, avec nos frustrations, à s'écrire tout ce qu'on aurait dû vivre. Ce message, c'est la simplicité des mots, c'est l'amour interdit, c'est l'amour qu'on ne peut pas vivre. Après que l'auteur l'ait envoyé, ils ont passé toute la nuit à s'échanger des messages avant d'y mettre un terme parce que dans tous les cas, leur situation ne leur permettait pas de continuer. Au revoir. Je suis incapable de te dire adieu, car tu auras toujours ta place dans mon cœur et ma tête et qu'une partie de toi sera toujours en moi. Mais c'est le moment de se laisser partir. C'est mieux pour nous, pour toi, pour moi. J'aurais tant voulu que cet amour soit possible. Mais je veux ton bonheur et le mien, alors je suppose qu'on doit prendre des chemins différents.
Merci pour ces années de bonheur, merci de m'avoir fait grandir, merci de m'avoir aidé à devenir celle que je suis. Je t'avoue que sentir ta peau contre la mienne, ton souffle dans ma nuque, ton regard perçant me manque déjà. Au revoir, je laisse mon premier amour, mon meilleur ami, mon épaule. Ce message m'a littéralement brisé le cœur. Et je crois qu'il a brisé le cœur de plusieurs lecteurs sur Amour solitaire. Je l'aime beaucoup parce que c'est une manière de quitter l'autre dans le respect, la bienveillance, l'amour. Et que je crois qu'il y a des situations où on rompt pas toujours dans la colère, où on rompt parce qu'il n'y a plus assez d'amour pour continuer à vivre avec quelqu'un, mais qu'il en reste quand même un petit peu pour lui souhaiter beaucoup de bonnes choses. Et je trouve que c'est beau les ruptures qui arrivent à se passer avec toute cette diversité de tonalités dans les sentiments. J'ai couru des kilomètres dans la montagne comme si j'allais rattraper une raison d'être, mais j'ai juste eu très mal aux jambes. Je me suis épuisée, je me suis saoulée aussi. J'ai fait l'amour avec des garçons qui n'avaient rien de toi, qui étaient tous toi. Je te veux partout, je te vois partout. Je me suis tue longtemps, puis j'ai crié si fort que j'en ai ri aux éclats, que j'en ai ri aux sanglots. Je me suis dit, c'est fini, je ne le verrai plus. J'ai tenu quelques temps, puis je suis passée sur ta place. J'ai regardé s'il y avait de la lumière là-haut. J'ai supprimé ton numéro, puis j'ai voulu t'appeler, il y a un mois, dans ma jolie robe vert d'eau quand j'avais trop bu et que personne n'aurait pu me ramener au moment présent. J'ai dû inverser quelques numéros, j'ai dérangé cette dame inconnue à minuit, ne pouvant pas lui dire combien tu me manques. J'ai ouvert ma porte au moindre répit, à la moindre caresse, même la plus interdite. J'ai dormi des semaines sans m'arrêter, j'ai veillé des nuits entières. J'ai fait mine de m'enthousiasmer pour des hommes que je ne regardais même pas et j'ai contemplé ton absence jusque dans les lieux où tu ne m'as jamais accompagnée. On m'a dit d'être patiente, mais les années ne m'ont pas guérie. Même mes contradictions me mènent encore à toi. Plus la vie est belle, plus la partager sans toi me paraît laid. Alors ça, c'est un de mes derniers messages coup de cœur que j'adore, je le trouve sublime. L'auteur de ce message n'a jamais reçu de réponse et pourtant, elle a reçu des milliers de commentaires qui lui ont tous apporté de la bienveillance, de l'empathie. Et je pense que c'était un peu sa revanche dans cette histoire. J'ai besoin de t'avoir contre moi, sous moi, sur moi, de ne plus savoir où commence et où finit mon être. Je veux être avec toi, te sentir, t'éprouver. Je veux être toi. Ça, c'est un des premiers messages que j'ai publié sur Amour solitaire. Et pour finir cette vidéo, je vais enfreindre une règle de base sur le compte qui est l'anonymat. C'est un message que j'ai écrit et que j'ai envoyé à la personne qui a inspiré tout ce projet qui est Amour solitaire.